Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Très ravi de Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs de participer avec vous à cette, pour contribuer dans cette conférence importante que vous organisez avec la Banque mondiale. Donc, tout d'abord, j'exprime mes remerciements en direct à Sidi Karim, pas seulement pour cette fois, mais pour toutes les fois où il y a une mobilisation effectivement exceptionnelle autour de sujets importants. Le sujet de l'emploi est un sujet qui intéresse tout le monde. J'ai parcouru le programme que vous avez concocté. J'ai même un petit peu suivi le déroulement cette journée sans être présent parmi vous pour pouvoir avoir un premier feedback sur les questions qui ont été posées et les échanges que nous avons pu que vous avez pu effectivement avoir tout au long de la journée. Donc je vous félicite pour démarrer et pour vous dire aussi que vous avez choisi une thématique qui est au cœur de ce que nous voulons pour notre pays et spécialement en ce moment particulier. Faire le lien entre l'emploi, marché de travail avec la recherche scientifique est un sujet aussi de fond parce qu'on a l'habitude de démarrer avec des pages blanches, avec des benchmarks, sans encadrement, je dirais, théorique ou même conceptuel, pour être plus précis. Et cela nous fait perdre énormément d'efforts et d'énergie quand on conçoit des stratégies complexes comme celle de l'emploi et du travail. Je suis ministre de l'emploi au passage, je suis également le ministre du travail et celui de la formation professionnelle et je m'occupe également de l'animation de la problématique ou de la question de la très petite entreprise dans le gouvernement de notre pays. Faire face à ces sujets ensemble peut sembler, attrayant, mais il faut dire qu'il est d'une difficulté extrême parce que vous n'agissez pas sur des secteurs en soi, mais vous êtes entre un certain nombre de flux qui traversent un peu les questions sur lesquelles vous avez une responsabilité, des flux provenant essentiellement de trois mondes, et je reprends tout de suite le modèle de l'Organisation internationale du travail en relation avec le sujet. Le monde effectivement de l'investissement, qui normalement est le premier pourvoyeur des emplois, qu'il soit investissement public ou investissement privé, car en définitive, c'est à travers une politique agressive en matière d'investissement, territorialisée, distribuée, que nous pouvons effectivement créer des emplois et avoir la bonne distribution, le bon ciblage en fonction des mécanismes que nous mettons en place. Sur ce sujet en particulier, nous avons vu dernièrement, et les chiffres du Haut Commissariat au Plan que vous avez peut-être eu le matin, ainsi que la Caisse nationale de la sécurité sociale, témoignent effectivement de changements au niveau de quelques dynamiques, tout en gardant la question de l'emploi avec des problématiques structurelles. Donc sur la question de l'investissement, vous avez deux types d'investissement. Vous avez l'investissement public. Il augmente sur le papier et même dans les faits, 300 milliards de dirhams cette année. Mais l'impact sur l'emploi reste naturellement à améliorer. Et c'est pour cela que l'une des grandes conclusions par rapport à ce sujet, c'est de disposer d'un vrai budget emploi, pro-emploi. Alors un budget pro-emploi n'est pas une mécanique technique pour pouvoir imaginer l'emploi à travers un budget ou identifier des indicateurs ou quoi que ce soit. Un budget pro-emploi est un budget qui arrive, en fin de compte, à responsabiliser les acheteurs dans le pays. Alors, tous ceux qui sont dans les directions de budget, etc., que ce soit au niveau des administrations publiques, mais également des collectivités territoriales, des entreprises publiques, et des établissements publics en général. C'est un effort que nous n'avons jamais fait. Je pense qu'il est temps que l'on puisse se pencher sur cette question avec beaucoup de responsabilité, car en définitive, les gens qui achètent n'ont aucune responsabilisation sur les emplois qu'ils dégagent à travers la façon avec laquelle ils conçoivent leurs appels d'offres, où ils imaginent l'ordonnancement et le cadencement de leurs achats. Or, c'est à travers ces achats, outils très très forts, très puissants, qu'on arrive ou pas à créer ou à préserver des emplois. Et donc je pense qu'il y a une réflexion importante à faire à ce niveau-là, de la collecte d'informations importantes et une mesure importante à asseoir pour pouvoir mesurer l'écart entre le monde d'aujourd'hui où ces choses ne se passent pas forcément comme on le veut et la façon avec laquelle il faudrait que ça se passe. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'investissement public. Je pense qu'une action phare, budget pro-emploi, mobilisation des acheteurs dans le pays en entier et surtout système
d'évaluation basée effectivement sur ces résultats-là, pour que lors de l'exercice de la loi de finances, qu'on soit comptable aussi sur l'argent que l'on dépense et qu'on ne fasse pas juste la statistique qui correspond à diviser les millions et les milliards de dirhams par les nombres d'emplois créés pour aller un petit peu loin et être conforme à la loi organique de la loi de finances, distribuer tout cela par programme, par région, etc. Mais cela reste de l'ordre de l'écriture, je dirais, mais qui ne correspond pas forcément à une démarche de leadership et de management qui oriente les efforts pour atteindre les résultats. Deuxième sujet, c'est la question de la... et je profite de l'effort que nous sommes en train de faire au niveau du gouvernement dans le domaine de la déconcentration et qui consiste à regrouper, vous allez le voir dans quelques jours, à regrouper les ministères, pas mal de ministères, dans des directions régionales au niveau territorial, avec des prérogatives fortes, en tout cas de plus en plus fortes, pour pouvoir faire un travail de proximité et représenter aussi le gouvernement central, non seulement de façon, je dirais, esthétique, mais de façon très concrète. Donc c'est l'occasion effectivement de mettre les bons indicateurs là où il faut et de profiter de ce regroupement des ministères au niveau territorial autour de missions pour pouvoir doter ces missions d'un contenu en matière d'achat, lesquels achats se transforment en emplois quand ils sont faits d'une façon responsable avec un tissu économique local. Ne pas payer un prestataire, c'est détruire des emplois. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés à cette conclusion dans la façon avec laquelle ils traitent ces sujets au quotidien. Deuxième sujet, toujours dans l'investissement, c'est l'investissement privé. Vous connaissez le modèle, vous connaissez les conclusions du modèle économique, vous connaissez aussi, je dirais, l'objectif que nous avons affiché en tant que gouvernement d'inverser la courbe pour aller d'un tiers d'investissement privé vers deux tiers. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, de la masse et de la quantité, mais au niveau de l'emploi, nous avons la charte de l'investissement. Elle commence à dégager les premiers effets, notamment par rapport à des secteurs qui sont importants. Le défi à ce niveau-là, c'est d'être sur un niveau important d'emploi stable. Nous avons opté pour une définition de l'emploi stable, que je pense suffisamment correcte, qui est celle de 18 mois, dans la charte de l'investissement, comme engagement qui permet de déclencher les déboursements en relation avec les critères. Pour rappel, la charte de l'investissement, c'est un certain nombre de critères pour pouvoir débourser le maximum de 30% du CAPEX de l'investissement de l'entreprise en question. L'un des critères, c'est le nombre d'emplois créés, et puis le territoire, et puis le secteur. Après, effectivement, vous n'arriverez jamais uniquement avec une orientation des investissements importants à résoudre ou régler la problématique de l'emploi. Il faudra compléter par les petites et les moyennes entreprises, et surtout qui ont des problèmes de financement, et je dirais, aider ces entreprises-là pour avoir des financements que les banques ou le secteur bancaire, généralement, n'entreprend pas facilement. Pour cela, nous avons une disposition qui est prévue au niveau de la charte de l'investissement et nous travaillons sur un décret qui permettra d'offrir un dispositif de l'investissement dédié à la TPME, donc à la très petite et moyenne entreprise, pour pouvoir aussi orienter les aides d'investissement de l'État en fonction des emplois, notamment créés par ces très petites et moyennes entreprises. Maintenant, il reste quand même toujours au niveau de ce premier pilier de l'investissement, de nouveaux sujets qui sont en train de voir le jour, de nouveaux secteurs qui sont en train d'émerger, qui n'ont pas été classiquement au cœur des cibles des politiques publiques ces 30 ou 40 dernières années, et notamment les secteurs des soins et les secteurs destinés et dédiés à la personne, dans lesquels il y a une marge de manœuvre importante, aussi bien pour les besoins domestiques que pour éventuellement je dirais pas une exportation, mais je dirais des soins qui peuvent être administrés à des personnes qui vivraient à l'étranger, qui pourraient se déplacer au Maroc. Et ce sont des sujets qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion gouvernementale par rapport à la question de l'investissement. La question de l'équité, de la territorialité est posée, parce que forcément, vous avez des problématiques qui se poseront, parce que les territoires n'ont pas les mêmes caractéristiques, la même attractivité par rapport à des types d'investissements que nous arrivons à drainer. Bon, le deuxième grand sujet, toujours dans le modèle de l'OIT, c'est la question de la formation. Bien sûr, les investissements vont créer des emplois si vous faites bien le travail, si vous êtes suffisamment attractif, si vous êtes relativement bien intégré dans les chaînes mondiales.
Si vous avez les bonnes niches, les bonnes cibles, et si vous avez des politiques d'investissement assez complètes dans lesquelles il n'y a pas que le dispositif d'investissement, mais il y a ce qu'on appelle les politiques de contour. La première grande politique de contour est celle de la formation. Alors c'est un grand sujet, parce que d'une part, effectivement, on voudrait être proactif et offrir dans le marché d'emploi des profils adaptés. Quand vous posez les questions aux professionnels, ils vous disent que ce ne sont pas les emplois qui n'existent pas, mais ce sont les profils qu'on ne trouve pas. Et quand vous posez la question aux chercheurs d'emploi, donc ils ont du mal à avoir des offres d'emploi de qualité. Et quand je dis de qualité, ça ne veut pas dire le luxe, ça veut dire des emplois qui respectent la loi, tout simplement, avec des salaires clairs, déclarés, etc. Et donc la difficulté est un petit peu là. Et donc le monde de la formation, effectivement, doit pouvoir s'adapter. Nous avons des points qui commencent à fonctionner et des points que nous avons abordés avec beaucoup d'énergie dans les semaines qui viennent. Les points qui commencent à fonctionner, c'est globalement la formation professionnelle, avec 650 000 personnes, avec des taux d'emploi ou d'intégration entre 70 et 80%. Et ce qui est intéressant, parce que quand vous calculez ces taux pour la formation professionnelle, c'est les gens qui ont accédé à l'Institut de formation professionnelle après le bac. Ce sont généralement les mêmes qui sortent 2 ans après le bac, éventuellement pour les techniciens spécialisés. Il n'y a pas une grande déperdition dans les instituts de la formation professionnelle, contrairement peut-être à l'université où vous avez des gens qui arrivent après le bac et quand vous arrivez à la licence ou au master, le taux de déperdition est relativement plus important. Donc nous avons différentes gammes, mais nous constatons que le public est très fort en matière de présence dans la formation professionnelle. Le privé ne l'est pas suffisamment. 25% seulement de l'offre en formation professionnelle est dans le privé, malgré le nombre important d'instituts, 1300 instituts sur les 2000 ou 1400 instituts sur les 2000 que nous avons dans la formation professionnelle. Un effort a été fait relativement important pour revoir les branches, pour revoir les curricula, etc., etc. Mais le nerf de la guerre, c'est le lien avec le secteur privé. Nous avons fait des efforts grâce à la feuille de route royale et notamment aussi au projet des cités des métiers et des compétences. Ce sont des cités avec des villages à l'intérieur, un village tourisme, un village aéronautique, un village automobile, un village économie de soins, un village digital. Et dans chaque village, en fait, il y a des classes dans lesquelles les gens viennent prendre des cours, mais il y a surtout des bancs d'essais, de tests pour faire la pratique, parce que la formation professionnelle est très orientée pratique et c'est un sujet fondamental. La capacité globale est d'environ 35 000 personnes. Donc c'est un sujet qui est un peu driver, l'éclaireur pour nous au niveau de la qualité dans ce sujet-là. Maintenant, la formation n'est pas que je dirais initial. Et sur la formation initiale, nous avons un manque important en matière de formation qualifiante qui touche ou qui toucherait les NEET, donc les personnes qui ne sont pas en position d'éducation, d'emploi ou de formation. Les 1,7 million de personnes annoncées dans tous les rapports pratiquement, la moitié de ces personnes-là n'ont pas le bac. Et donc, ce sont des personnes qui ont besoin de formations différentes, dites qualifiantes, pas trop longues, parce que les moyens financiers de ces personnes-là ne sont pas forcément là pour qu'elles puissent rester pendant plus de 6 mois. Même 6 mois, c'est long pour eux. Et donc, soit ils font un dispositif de bourse qui n'existe pas aujourd'hui au Maroc pour les personnes de ceux, parce qu'il faut, pour être boursier, il faut au moins avoir eu le bac. Donc au Maroc, alors que, vu les priorités, il faut peut-être réorienter le sujet par rapport à cette population-là, parce qu'elle est nécessiteuse, elle a besoin de quoi bouger, et c'est fondamental. Maintenant, les capacités, nous les améliorons de façon très importante. Nous sommes passés en 2 ans, j'ai présidé peut-être 4 ou 5 conseils d'administration de l'Office de la formation professionnelle, nous sommes passés de 40 000 pratiquement à 80 000 places pédagogiques pour la formation qualifiante, mais quand vous la comparez aux 800 000 NEET que nous avons, et avec leur répartition, vous mesurez un petit peu l'effort qu'il y a encore à faire. Donc il faut une approche différente à ce niveau-là, dans laquelle on doit, je dirais, mettre en musique et en cohérence un certain nombre de dispositifs, dont 2 dispositifs importants que sont l'alternance et l'apprentissage. Et nous nous apprêtons au mois de juillet de lancer quelque chose d'impactant. Pour info, l'apprentissage, c'est 25 000 personnes, c'est l'agriculture, c'est les fisheries, c'est le houtoudakchi,
C'est l'artisanat, mais il y a énormément de sujets dans lesquels les gens peuvent faire de l'apprentissage. Pour rappel, l'apprentissage peut se faire à l'intérieur d'une entreprise, ce que nous faisons en tant que ministère de la formation professionnelle avec une entreprise, bon, je ne donnerai pas les noms, mais dans le secteur automobile, dans le textile ou autre, nous finançons le montage de ces instituts, entre guillemets, de formation d'apprentissage ou par apprentissage à l'intérieur des usines. Et donc, dans l'usine, vous allez voir deux types de personnes, des personnes qui ont des blouses blanches, qui sont des salariés confirmés, qui ont le SMIC ou plus et qui travaillent, et d'autres qui ont des blouses bleues, par exemple, qui sont des apprentis qui vont faire 20% en classe et 80% sur place. Et au fur et à mesure, ils vont être intégrés dans la chaîne de production. Et vous allez voir des petits cercles dans lesquels il y a pas mal de blouses blanches et quelques blouses bleues. Et après, celles qui ou ceux qui ont les blouses blanches vont les enlever et ils vont avoir l'inverse. Les blouses bleues vont avoir les blouses blanches. Et au bout du fil, les gens sont intégrés avec des contrats à durée indéterminée que nous accompagnons par des programmes avec l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences pour alourdir les charges, je dirais, que ce soit la charge fiscale ou charge déclaration sociale par rapport à ce sujet-là. Donc voilà, c'est des dispositifs, mais que nous n'avons pas à l'échelle. Ils sont bonnes, ils sont bons, ils fonctionnent très bien dans le secteur automobile, dans le textile et même dans le rural avec des coopératives pour une autre population, mais nous ne les avons pas à l'échelle. Vous savez, 25 000 par rapport aux 800 000 ou 1,7 million, quand vous comparez, il vous faut des années, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années pour y arriver, sachant que chaque année, il y a du monde qui. Donc voilà, mon diagnostic après 2 ans de travail et de rencontres avec les acteurs et pour regarder les sujets de plusieurs façons, c'est celui-là. Notre plus grand problème, c'est le problème de l'échelle et le problème du focus par rapport à la bonne cible qui, auparavant, était les bac plus 2. Des gens qui font aujourd'hui l'OFPPT peuvent avoir 15 de moyenne pour faire l'ISTEA avec une bonne spécialité, parce qu'il est sûr de travailler après. Maintenant, ça, on passe de ça à des gens qui n'ont pas eu le bac, qui sont en décrochage scolaire, etc. Donc, c'est cette population qu'il va falloir aussi aborder et dans laquelle il y a énormément de difficultés et surtout des problèmes de perspective qui sont vraiment posés. Donc, pour la formation professionnelle, il y a ce sujet de la formation initiale, il y a ce sujet de la formation qualifiante par rapport à au NIT en particulier. Et il y a troisièmement un sujet qui n'est pas des moindres, qui est le sujet de la formation continue, formation tout au long de la vie. Et là, c'est un dispositif qui ne fonctionne pratiquement pas depuis 3 décennies. Au Maroc, très lourd, c'est ce qu'on appelle les contrats spéciaux de formation. Il y a une taxe de la formation professionnelle qui est prélevée et qui permet de financer ce dispositif et qui permet aux entreprises de former les gens qui sont dans leur giron. Parce qu'il y a eu un vécu pas très sympa côté éthique, parce qu'il y a eu un vécu aussi compliqué côté procédure, donc c'est un système qui est pratiquement bloqué avec moins de 0,5% des entreprises qui bénéficient ou 0,6% si ma mémoire est bonne. Donc au lieu de rentrer dans le sujet, d'essayer d'optimiser les procédures existantes, j'ai préféré parler aux partenaires sociaux parce que c'est un sujet qui est traité de façon tripartite et de pouvoir intégrer ce sujet dans le dialogue social et qu'on l'acte officiellement dans le dialogue social lors de la session d'avril. Le 29 avril, c'est écrit noir sur blanc. Je vais réunir le mois de juillet, si tout se passe bien, Inch'Allah, pour la première fois depuis peut-être plus de 10 ans, ou même peut-être plus, le comité ministériel de la formation professionnelle pour pouvoir asseoir les bases de la réforme de la formation continue, un sujet vraiment capital pour pouvoir gagner en maturité par rapport à ce sujet-là. Alors, la formation, je vous ai donné, pour ce que je gère directement, un peu le dispositif, mais à côté, il va falloir créer une autorité quasi indépendante pour pouvoir donner de la valeur à l'expérience vécue, à l'expérience professionnelle. C'est ce qu'on appelle la validation des acquis professionnels et un cadre, ce qu'on appelle un cadre national de certification qui permet, je dirais, de faire une correspondance entre les skills que vous avez appris, quel que soit le parcours que vous avez eu et ce que ça vaut sur le marché pour les entreprises. Donc, c'est une correspondance intéressante qui existe dans pas mal de pays. Nous avons un projet de décret sur ce sujet-là. J'ai préféré embarquer les partenaires dans la réforme que je vous ai proposée ou je vous ai annoncée il y a un petit instant avant d'aller vers, je dirais, une formalisation du sujet. La question de la formation, toujours, est une question qui n'est pas simple et qui nécessite aussi une certaine puissance en matière de veille
pour faire le lien avec les compétences. Et c'est le troisième point. Donc, premier point, c'était les investissements, parce qu'il faut créer, il faut. Toutes les théories parlent de croissance pour avoir l'emploi. Je sais que vous avez eu à l'exposé ce matin pour étudier la relation entre la croissance et l'emploi. C'est vrai, il y a des pays qui font de l'emploi sans croissance et essentiellement des pays aussi qui exportent de la main-d'œuvre. C'est la façon la plus facile pour faire de l'emploi sans forcément faire de la croissance, je veux dire, endogène. Et c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, nous travaillons aussi, parce qu'il est posé avec beaucoup d'acuité, avec un certain nombre de pays qui améliorent leurs conditions de vie, qui changent les réglementations en matière de migration. Mais on ne veut pas qu'ils nous piquent un peu les ressources dont nous avons besoin pour des secteurs importants pour nous, comme la médecine et autres. Et donc, les pourparlers sont dans ce sens, pour avoir un système coordonné de migration ou de mobilité autour de l'emploi qui respecte un certain nombre de règles. Je pourrais rentrer dans les détails. C'est un vaste sujet sur lequel nous avons préparé une stratégie à valider bientôt dans le cadre d'un travail plus global que nous faisons au niveau du gouvernement avec monsieur le chef du gouvernement sur la politique et la stratégie de l'emploi plus globalement. Donc, on arrive au troisième pilier. Donc, le premier qu'on a, c'est l'investissement Wamajawara, avec toutes les palettes et les facettes de l'investissement. Petites entreprises, grandes entreprises, investissement public, investissement privé, nouveaux secteurs émergents, y compris les secteurs sociaux. À dire le reste de l'investissement. Deuxième sujet, c'est la formation. Je vous ai parlé exclusivement de la formation professionnelle. C'est un sujet que je traite directement pour vous dire, voilà, il y a des nids qu'il faut aborder. Il y a effectivement la suite à donner à tous les sujets que nous traitons déjà pas mal, comme le lien que nous avons avec les professionnels, les instituts à gestion délégués que nous avons dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le bâtiment. Surtout que nous avons des perspectives intéressantes en matière d'investissement au Maroc pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, et qui devraient générer des emplois dans des secteurs dans lesquels nous devons avoir une main-d'œuvre prête et ne pas importer de main-d'œuvre, parce que ça s'est déjà arrivé dans des pays qui n'étaient pas prêts et qui n'avaient pas bien dimensionné leurs besoins en matière de main-d'œuvre. Et c'est essentiellement dans la formation professionnelle que ça se passe, une forme de spécialisation qui est importante et un time to market en matière de compétences, une courbe d'apprentissage qui est importante. Le troisième et dernier sujet, c'est ce qu'on appelle les politiques passives de l'emploi. Et là, nous avons le bloc principal, c'est le code du travail avec l'intermédiation. Donc, voici les deux sujets qui sont posés. Alors, c'est facile de dire et de décréter qu'il faut un nouveau code du travail parce que c'est ce que demandent les employeurs, les entreprises. D'ailleurs, une intuition à ce sujet-là, c'est qu'un nouveau code du travail pourrait nous permettre de résorber une bonne partie du chômage qui est dû, si vous voulez, à l'informel. Ben, pas forcément corrélé à une croissance en bonne et due forme. D'ailleurs, les chiffres de l'année dernière du HCP et ceux de l'année d'avant, et de l'année dernière aussi de la Caisse nationale de la sécurité sociale, sont assez étonnants. Le travail salarié a avancé de façon spectaculaire. Ils sont passés à 588 000 emplois salariés. Il y a eu destruction de ce qu'on appelle l'auto-emploi, qui n'est pas un travail salarié, qui est un emploi rémunéré, mais pas travail salarié. Et j'ai vu dans votre emploi du temps, dans votre programme aujourd'hui, que vous avez aussi traité du lien entre la protection sociale et une forme de chômage, effectivement, que nous avons pu toucher du doigt, parce que beaucoup de gens, peut-être, ne déclarent plus qu'ils travaillent des petits jobs d'auto-emploi pour pouvoir, soi-disant, bénéficier des mesures sociales prévues par le gouvernement en application aux directives de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Donc, un code du travail est nécessaire pour pouvoir aborder la question du travail de la femme, pour pouvoir aborder la question du travail distant, qui peut être une bonne solution pour beaucoup de compétences dans des régions qui ne sont pas forcément, je dirais, premium en matière d'emploi haut de gamme. Et avec des coûts de vie qui sont relativement abordables et intéressants. Et la question importante aussi à ce niveau-là, c'est que ce code de travail, peu importe ce qu'il y a dedans, parce qu'il peut nous ramener énormément de possibilités, nous en avons la conviction aujourd'hui, mais ce n'est pas simple de lancer et de revoir un code du travail. Ça fait partie d'un processus hautement politique, voire sociétal, de discussion dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue social. Il s'avère que nous avons fait un bel investissement dans le dialogue social depuis 2022 pratiquement, avec un premier accord, un deuxième accord. Le monde est imparfait, mais si nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes sociaux,
C'est grâce à ce dialogue social. Et même quand on a eu la problématique difficile de l'enseignement et de l'éducation, nous avons pu régler ça à l'intérieur de cette institution, malgré les défis naturellement auxquels elle est confrontée. Donc tout cela pour vous dire que nous sommes aujourd'hui à 2 doigts de démarrer les discussions au Parlement sur la loi sur la grève, qui est un grand sujet, pour pouvoir passer tout de suite après au code du travail. Donc tout ça pour vous dire, quand vous voulez régler la problématique de l'emploi, ce n'est pas comme si vous faisiez un projet. C'est-à-dire, vous vous dites, oui, je vais faire ça, là, je vais dérouler. Non, vous allez régler un autre problème politique qui est ailleurs, dans lequel vous devez avoir un dialogue social, vous devez l'institutionnaliser, vous devez faire beaucoup de choses pour pouvoir ramener les gens à un consensus sur un grand sujet comme le code du travail. Donc, on a des sédimentations en matière de pratique de management public et de politique publique, voire de politique tout court, pendant quelques années, qui nous ont empêchés de pouvoir aborder les sujets avec facilité. Mais ce sont des défis que chaque gouvernement, même le prochain gouvernement, va vous dire que celui d'avant n'a pas traité un certain nombre de choses. Ça fait, c'est dans les règles de la continuité de l'État. Et donc, l'autre sujet dans ce troisième groupe, dans ce troisième pôle, c'est la question de l'intermédiation. Nous avons une agence qui s'appelle l'Agence nationale de la promotion d'emploi et des compétences. Elle joue un rôle qui est relativement important. Elle a peut-être plus de 600 000 personnes dans les actifs dont elle dispose, hein, moi je les appelle comme ça. Elle traite avec des dizaines de milliers d'entreprises. Elle a des offres en matière d'intermédiation. Elle a un budget qui avoisine le milliard de dirhams chaque année pour pouvoir financer ses mesures de l'emploi, programme Tahil, programme Idmej, programme Tahfiz, programme bientôt Ana Mouqawil, programme Aourach que nous avons fait au niveau de l'ANAPEC pour une composante de ce qu'on a appelé les jobs permanents. C'est-à-dire on a mobilisé 130 entreprises qui se sont engagées à recruter 50 000 personnes et en contrepartie, on leur a donné la moitié du salaire, du SMIC, pendant 9 mois, à condition que chaque entreprise garde la personne pendant un an. C'est un programme qui a très bien réussi. En 4 mois, nous avons fait les 50 000 dont nous avions besoin. Et le seul blocage au niveau des entreprises, c'était la capacité de former ces gens-là. Et franchement, je suis parti moi-même, j'ai vu une dizaine d'entreprises et des milliers de personnes. Et il faut voir des personnes qui ont quitté l'école après le primaire ou pendant le collège ou pendant le lycée, travailler en ayant un salaire minimum garanti, de la formation, du transport, etc. Et même les DRH étaient très contents d'avoir des gens qui voulaient absolument réussir, etc. Donc il y a de la marge, mais il faut que nos politiques soient beaucoup plus efficaces. Et c'est ce que nous sommes en train de faire de façon très précise aujourd'hui au sein du gouvernement. Donc ce que nous avons dit avec Monsieur le chef du gouvernement et l'ensemble des ministres, c'est que l'emploi n'est pas une affaire du ministre d'emploi, naturellement. Les emplois, il peut aider, il coordonne, etc. Mais c'est d'abord une affaire de secteur productif, parce que c'est là où ça doit se passer. Mais il y a une gouvernance à asseoir. Donc nous avons une stratégie nationale, elle est en cours de discussion. Il y aura des annonces très importantes dans quelques semaines, j'espère avant les vacances, Inch'Allah, pour pouvoir annoncer le repackaging des efforts de notre pays en matière d'emploi. Comment est-ce qu'on oriente mieux nos ressources et on ordonnance mieux nos programmes? Parce qu'on hérite effectivement d'un certain nombre d'initiatives, dont quelques-unes sont très bonnes, mais d'autres sont largement à améliorer. Globalement, il faut améliorer l'accès à l'emploi. C'est un sujet qui est fondamental, parce qu'il faut accéder à des emplois de qualité. Et ce que dit le HCP, par exemple, les 13% que vous voyez en matière de chômage, de ces 200 000 personnes qui viennent du monde rural, essentiellement à 50 000 personnes près, donc c'est au moins 150 000 personnes qui viennent du monde rural à cause de la sécheresse. Il faut comprendre que nous sommes au cœur des transformations climatiques et ça nous coûte directement des emplois. Certes, ces emplois ne sont pas rémunérés. Donc, c'est des gens qui aident leur famille, parce que c'est ça ce qui a fait que le taux de chômage, ce n'est pas des entreprises qui ont fermé, ce n'est pas des secteurs qui sont sinistrés. Au contraire, l'emploi salarié s'est beaucoup amélioré, mais le chiffre global a été plombé par la sécheresse, troisième année de sécheresse. Et l'impact n'est pas que sur le travail agricole, mais sur le commerce qui a perdu plus de 70 000 emplois, parce qu'il est intimement lié à la dynamique agricole que vous connaissez très bien. Et puis, quand il n'y a pas d'eau, les gens ne peuvent pas labourer, ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, c'est l'entrepreneuriat. C'est un grand sujet dans les dynamiques de l'emploi. Donc, on a parlé d'emploi rural,
200 000 personnes, on va recevoir ça chaque année. Hein. Typiquement, ces gens-là, ils étaient absorbés soit dans le BTP, soit dans le commerce. Le commerce a connu les problématiques de la hausse des prix en plus de la sécheresse, et le BTP a connu la problématique de la hausse des prix de toute façon. Maintenant, c'est en train de récupérer, nous sommes à 25 000, mais bon, la moyenne, pour être correct, c'est du 80 à 100 000 par an. Et si on a un bon objectif 2030, il faut être à plus. Voilà, j'ai pris... le temps qu'il fallait pour pouvoir aborder avec vous ces questions-là. Ce sont des sujets passionnants. Le plus important, pour finir, à l'échelle d'un gouvernement, c'est de ne pas se perdre dans les détails qui n'amènent pas à des solutions à l'échelle. Au niveau d'un gouvernement, il faut rester à l'échelle. Il ne faut pas oublier que vous ne traitez pas 50 ou 500 ou 5 000 personnes, vous traitez 1 million, vous traitez 500 000, vous traitez 2 millions. Vous ne traitez pas un Douar ou une collectivité territoriale, vous traitez 1503 communes, toutes les provinces et préfectures et tout le paysage national. Donc c'est fondamental que les solutions qu'on amène sur place puissent traiter l'échelle. Et puis le financement de ces dispositifs est un grand sujet, car les marges financières et budgétaires sont de plus en plus rétrécies et effectivement, nous sommes appelés à pouvoir innover également en matière de finances publiques en général, pour financer l'État social, qui est un sujet plus global que ce que nous venons de traiter. Mesdames et messieurs, merci encore une fois. Et désolé si je n'ai pas abordé tous les sujets que vous pouvez peut-être attendre à l'occasion d'une telle intervention. Merci encore une fois. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue dans cette séance qui est dédiée à un thème... évidemment d'importance, qui porte sur l'autonomisation économique des femmes. Si je reviens à ce que j'ai entendu depuis ce matin, M. Yesko Enchen qui nous disait notamment que le travail donnait une identité. Donc quand on pense à la femme, c'est quelque chose qui résonne dans nos têtes. Toute la question de décider d'aller travailler, de ne pas aller travailler, qui appartient aussi à une décision personnelle, comme l'a dit aussi M. Enchen, personnelle, mais aussi une décision de ménage. L'importance aussi de la protection sociale, on en a parlé ce matin. Toutes ces questions-là, pour la cohésion sociale dont il était question, évidemment, nous ramènent à la question d'autonomisation économique des femmes au Maroc. Et je suis heureuse cet après-midi d'accueillir deux experts qui vont partager avec nous leurs travaux sur, et des perspectives sur ce sujet. Malheureusement, Monsieur Ragbi ne pourra pas être avec nous, donc nous avons deux interventions. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra prendre un petit peu plus de temps. Je n'aurai pas à être aussi autoritaire que les personnes qui étaient là avant moi. Donc, nous commencerons par Monsieur Tayeb Razi, qui est chercheur au PCNS, qui va nous parler de l'autonomisation économique des femmes marocaines et de la migration circulaire et l'intermédiation, enseignement tiré de l'expérience des travailleuses marocaines saisonnières en Espagne, des articles qui ont été coécrits avec professeur Ibourg et le président Karim El Aïnaoui. Et nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Madame Federica Marzo, qui est économiste à la Banque mondiale et spécialisée sur des questions liées à la pauvreté, aux inégalités et évidemment au genre. Donc Madame Marzo nous parlera du Female Labour Force Participation au Maroc et nous présentera un portrait quantitatif de la participation de la femme. Donc, comme je le disais, des présentations, le format, on le connaît. Et évidemment, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on aura un petit peu plus de temps pour échanger aussi sur les questions que vous pourriez avoir. Donc, je vous remercie d'avance pour votre participation. Et puis, je vais donner tout de suite la parole à notre premier intervenant, M. Tayeb Razi. Bonjour, merci Madame Dorothée, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet très important qui est celui de l'autonomisation des femmes, notamment l'autonomisation économique. Ma présentation sera structurée autour de trois principaux axes. Dans le premier, je vais
Je vais discuter d'un certain nombre de défis à cette autonomisation des femmes. La deuxième partie sera l'occasion de mener une discussion plutôt théorique avec de la data descriptive sur les potentielles explications de la faible participation des femmes sur le marché du travail. La troisième partie est intimement liée à ce sujet de l'autonomisation et dans laquelle on va aborder le sujet des femmes travailleuses agricoles en Espagne. On va traiter notamment du sujet de leur intégration tout au long de la chaîne, c'est-à-dire pré-départ, pendant la migration et au retour. Je commence par donner le paysage qui cadre cette question de l'autonomisation des femmes, à la fois autonomisation économique et autre. Je veux dire les autres domaines d'insertion, d'intégration socio-professionnelle des femmes. Que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit marché de travail, politique, et ainsi de suite. Disons que le paysage national a été caractérisé depuis plus de 20 ans par plusieurs efforts qui ont été entrepris. Des efforts côté politique, des efforts côté programme avec IKRAM 1 et IKRAM 2 et Temkin, des efforts côté juridique avec la Mudouana et son actualisation, le code pénal, la loi 103, mais aussi caractérisé par un certain nombre d'actions de sensibilisation, notamment la journée nationale. C'est dans ce cadre que le Maroc a pu réaliser un certain nombre de progrès, notamment dans l'éducation, avec la généralisation, avec l'amélioration des transitions entre les niveaux et entre les cycles. On a maintenant une quasi-parité genre au sein des établissements de l'enseignement supérieur. C'est aussi le cas concernant le volet santé, avec un prolongement de l'espérance de vie, et l'espérance de vie en bonne santé, avec une amélioration de la santé reproductive, la santé sexuelle, ainsi de suite. L'instauration de quotas côté politique, l'occupation de plus en plus de postes de décision, mais tout le monde constate que la situation des femmes sur le marché du travail peine à suivre ce progrès qui est constaté quasiment dans le reste des domaines de l'insertion socio-professionnelle des femmes. Trois constats à ce sujet concernant le marché du travail. Premier constat est la faiblesse de la participation et la persistante diminution du taux d'activité qui est passé de 30% en 2000 à quelque chose comme 18% actuellement. Une diminution qui concerne toutes les catégories. Donc, premier constat, faible participation sur le marché du travail. Deuxième constat, c'est l'exposition au chômage. Non pas elle participe de moins en moins et moins que les hommes dans le marché du travail, et sont plus exposés au risque du chômage. La heat map du chômage si présentée nous indique que le taux de chômage des femmes au niveau national avoisine les 18%.
Pour la catégorie des femmes de niveau supérieur, il est de 33,3%. 47% pour les femmes de 15 à 24 ans. Pour dire que, pour appuyer cette réalité que les femmes sont plus exposées que les hommes au risque du chômage sur le marché du travail. Troisième constat, c'est le faible taux d'emploi des femmes, couplé à une faiblesse de la qualité des emplois occupés. Les statistiques, les nouvelles statistiques nous indiquent que près de la moitié des emplois exercés par les femmes sont des emplois à caractère vulnérable selon la définition du BIT. Également, à peu près de 30% sont des emplois à bas salaire. Donc, pour résumer la situation des femmes sur le marché du travail, où l'autonomisation des femmes via le canal emploi est confrontée à des défis qui sont superposés. Le défi de l'activité, celui du chômage lorsqu'elles sont actives et celui de la qualité de l'emploi lorsqu'elle exerce un emploi. Nous avons essayé de voir quelles sont les raisons derrière le premier constat, qui est la faiblesse de la participation sur le marché du travail. La théorie nous enseigne qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Nous nous sommes concentrés sur deux, trois facteurs. Le premier facteur est un facteur lié à la demande du travail. Nous avons constaté qu'il y a un recul de certaines branches dans lesquelles les femmes exercent traditionnellement, notamment le textile, le commerce, et il y a aussi une modernisation de l'agriculture qui fait que la croissance dans cette branche ou dans le secteur entier est tirée par la productivité et non pas par le surcroît de l'emploi. Deuxième catégorie d'explication qu'on a essayé de voir, c'est la catégorie qui a affaire avec la charge du travail domestique, les négociations intrafamiliales et la question de salaire de réservation. La constatation est que les femmes passent en principe 5 fois plus ou 4 fois plus de temps sur le travail domestique par rapport aux hommes. Cela nous interpelle à plus d'un niveau. Le premier niveau, c'est celui de la distribution des rôles au sein du ménage et celui des négociations intrafamiliales qui font que, au Maroc, traditionnellement, le rôle de l'investissement dans le capital humain de la famille est affecté ou est dédié à la femme. Deuxième catégorie d'explication qui est en liaison avec la distribution de la charge du travail domestique est celle liée à l'accès aux services de base. Par exemple, dans le monde rural, je parle de l'électricité, je parle de l'eau potable qui consomme du temps pour la femme qui est censé allouer son temps pour exécuter ou là pour faire le travail domestique. Il y a aussi dans les villes la question de l'accès au transport. Là, plusieurs enquêtes et plusieurs études confirment que la question de l'accès à un transport qui est sûr, propre, économiquement abordable et qui sert l'ensemble des itinéraires est
est essentiel pour cette question de la participation sur le marché du travail. La troisième question, catégorie d'explication théorique touche à la question de salaire de réservation. Les deux explications précédentes versent vers le même canal, c'est celui du salaire de réservation. Le transport, hormis sa sûreté, son confort et sa propreté, il y a la question du coût de transport. Il y a aussi la question de la valorisation du travail non domestique qui échappe à, plus ou moins qui échappe à la comptabilité nationale. Si je donne l'exemple pour m'expliquer, si la femme par exemple décide d'intégrer le marché du travail, qui va faire le travail domestique qui est traditionnellement affecté à la femme? Il faut faire appel à quelqu'un pour faire ce travail. Quelle est sa rémunération? Donc il y a un arbitrage à faire ici entre aller chercher du travail ou travailler et percevoir un salaire et affecter une partie de ce salaire pour les besoins d'exécuter la charge du travail domestique et affecter ce salaire pour le transport et les autres postes de dépenses. Cela pour dire une chose simple, c'est que les femmes, avant d'intégrer le marché du travail, font l'arbitrage entre ce qu'ils vont percevoir et ce qu'ils vont dépenser. Et peut-être, avec la réalité que 30% des femmes sont dans des travaux à bas salaire, et avec la réalité que environ la moitié des femmes exercent du travail vulnérable, peut-être que l'équation n'est pas en faveur d'intégrer le marché du travail. Pour ce qui est des migrantes saisonnières, on a constaté à travers des enquêtes que ils partent exercer en Espagne et ils font de l'épargne, mais ils trouvent un certain nombre d'entraves ou d'obstacles à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la réintégration du marché du travail. Le deuxième niveau, c'est celui de l'utilisation de la dépense en vue de créer des activités génératrices de revenus. À ce stade, nos analyses recommandent que le travail du ministère et de la division du placement à l'international doit aller au-delà du travail de l'accompagnement pré-départ, mais il faut un accompagnement au retour pour améliorer l'employabilité de ces femmes migrantes et un accompagnement au retour pour pouvoir concevoir et monter des activités génératrices de revenus, même à petite échelle. Merci. Merci, Monsieur Rassi. Donc, on va tout de suite donner la parole à Federica. Je crois que vous vous déplacez. Peut-être appuyer. Est-ce qu'il faut appuyer quelque part? Ah voilà, là vous m'entendez.
Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup aux organisateurs du Policy Center de m'avoir permis de vous parler de ces résultats, de ces analyses qui nous occupent beaucoup à la Banque mondiale en ce moment, du fait de la pertinence du sujet, je pense, hein, dans le landscape des politiques aujourd'hui au Maroc. Donc l'idée, c'est vraiment de vous présenter en fait l'évidence, disons, que nous avons produit. On a commencé avec l'HCP il y a quelques années avec le rapport sur le paysage de l'emploi. Nous avons ensuite continué avec le Policy Center, avec une policy note qui nous a servi après tout au cours de cette année, de l'année 2023, je dirais, pour engager, en fait, avec tout un certain nombre de partenaires gouvernementaux et de la société civile et des partenaires au développement pour discuter des politiques, en fait, relatives à l'emploi. À l'emploi des femmes. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est surtout un document analytique de background qui nous a servi après pour mettre ensemble cette note de politique un petit peu plus, donc, comme le dit le nom relatif donc, aux politiques publiques nécessaires pour engendrer du progrès sur le front de l'emploi des femmes. Donc sans plus tarder, voilà. Alors, comment je fais ? Comme ça, oh, ça nous aide un peu. Donc voilà, donc le fait de départ, disons les chiffres de départ sont les mêmes hein, qui viennent d'être présentés par le collègue du Policy Center. Donc ce qui ressort de cette diapositive, c'est qu'en gros, le taux de participation des femmes, alors la présentation, je m'excuse, elle est en anglais, parce que j'ai pensé présenter en anglais. Donc j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à suivre. Donc on part en fait du constat que le taux de participation des femmes, il est très bas, à 19% pour 2023, ce qui positionne le Maroc donc un petit peu dans la partie basse de la distribution dans les pays de la région MENA, quoique assez aligné avec la moyenne. Mais c'est surtout très bas, en fait, par rapport à cet indicateur au niveau mondial. Pas seulement le taux, il est bas, comme on l'a dit en début de séance, donc 19%, mais il est aussi en constante diminution. Et aussi, en termes de diminution, le Maroc, il se situe... Pardon, c'est difficile à utiliser... dans la partie basse de la distribution, donc avec presque 6 points de pourcentage de diminution entre, même, c'est même plus que ça en fait, entre 2000 et 2023. Donc en termes d'explication, donc là je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je n'ai pas énormément de temps, mais l'idée est la suivante. Même si on considère que le Maroc il se situe dans la partie basse de la courbe qui décrit de façon théorique la relation entre la participation des femmes, donc le taux d'activité des femmes et le niveau de richesse ou de développement des pays, le niveau en fait de taux d'activité du Maroc il est assez ça nous laisse un peu perplexe. Pourquoi? Parce que en fait le Maroc alors qu'il se situe très en bas de la courbe, il est en fait là, le Maroc, voilà, il est là. Et donc, si vous êtes familier avec cette théorie, elle nous dit qu'en fait, les pays, dans le processus de transformation structurelle ou de développement, en fait, les femmes sont très engagées sur le marché du travail, dans les niveaux bas de développement. Après, au fur et à mesure que le pays se développe, elles sortent du marché du travail parce que les emplois au milieu agricole diminuent. Et ensuite, avec le temps, quand les emplois dans les autres secteurs à plus haute productivité et formalité, comme la manufacture ou les services prennent la relève, ben les femmes elles rentrent sur le marché du travail et donc c'est là qu'elles se repositionnent sur la partie montante de la courbe. Donc même si on retrouve le Maroc dans cette relation, il est vrai que d'autres indicateurs, les indicateurs qui sont en général utilisés pour expliquer l'évolution du taux de participation des femmes, ils évoluent d'une relation opposée par rapport à l'évolution du taux au Maroc. Et là je parle en particulier du taux de fertilité.
bon, je ne pense pas que je vais utiliser ça après tout. Le taux de fertilité, le PIB par tête, le niveau d'éducation des femmes et, le taux de, et donc le taux de participation. Vous le voyez dans, dans le graphique de droite. Hein, en particulier, c'est, la participation scolaire qui est la courbe la plus impressionnante. Hein, donc ça, ça a aussi été présenté par le collègue qui m'a précédé. Il y a pratiquement parité dans les cohortes jeunes aujourd'hui, au niveau des, même au niveau du tertiaire, même au niveau des disciplines. Et pourtant, voilà, le résultat en termes de participation dans le marché du travail, le taux d'activité, il reste ce qu'on connaît. Et donc, et ceci, en fait, dans un cadre, disons, qui nous dit, et la théorie, et les données, et au Maroc, et à l'international, qu'il y a un manque à gagner très important en termes de croissance du fait d'une mauvaise allocation des ressources, et donc d'une pénalisation de la productivité agrégée dans le pays, mais aussi en termes de développement de long terme et en termes de pauvreté donc, et de vulnérabilité. Donc ici, ce que je vous montre, c'est deux exercices que nous avons effectués à la Banque mondiale. Donc d'un côté, sur le côté gauche, vous voyez des simulations de l'augmentation du taux d'emploi des femmes par niveau de compétences et donc surtout quand l'augmentation de l'emploi est concentrée parmi les femmes qui ont un bas niveau d'éducation, on voit une réduction de la vulnérabilité qui peut arriver à presque 2 points de pourcentage, donc une diminution assez importante. Et quand on regarde les inégalités, on parle d'une diminution de l'indicateur de Gini de presque 2 points de Gini. Et donc sur la droite, par contre, ce qu'on vous montre, c'est un autre exercice qu'on a fait en termes cette fois-ci de croissance économique potentielle. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, en fait, si le taux de participation des femmes au marché du travail était le même que celui des hommes, donc si ça a augmenté de 20 points de pourcentage, qui est environ plus ou moins l'objectif gouvernemental à horizon 2035, le pays, il gagnerait environ 1 point de pourcentage de croissance potentielle par an. Ce qui est en fait une condition fondamentale pour atteindre un autre objectif du nouveau modèle de développement, qui est celui de doubler le PIB par tête à l'horizon 2035. Et là, maintenant, je vais vous donner quelques faits stylisés par rapport d'un côté à la demande et de l'autre côté à l'offre d'emploi. Donc, du point de vue de la demande, l'idée, c'est il y a 3 messages principaux. Le premier, ce qui a été évoqué, je pense, hein, au cours de la conférence, c'est que l'emploi qui est créé au Maroc, il n'est pas suffisant aujourd'hui pour absorber l'évolution démographique. Donc, nous, on a utilisé pour ce graphique l'enquête emploi de l'HCP entre 2000 et 2018. Donc, la situation a évolué dans la mauvaise direction, mais ça ne change pas les conclusions de ce graphique, malheureusement, qui est de dire qu'entre 2000 et 2018, il y a eu une création d'emplois d'environ 112 000 emplois par an, alors qu'il y a eu aussi, en moyenne, une entrée sur le marché du travail, ou mieux, une entrée dans l'âge de travailler des jeunes d'environ 375 000 jeunes par an. Donc il y a un déficit d'emploi, rien qu'à regarder ça, donc la démographie et les emplois qui ressortent de l'enquête emploi, d'environ 200 000 emplois par an, un peu plus. Donc ça, c'est la première constatation. La deuxième constatation, qui est plus genrée, c'est que, comme le disait même Monsieur le ministre tout à l'heure, la déperdition d'emplois a eu lieu surtout dans le secteur agricole, qui est le secteur qui emploie environ la moitié de la main-d'œuvre féminine active aujourd'hui. Et donc ça se reflète dans ce graphique où vous voyez que les barres plus négatives sont pour les femmes, en fait, qui est le bloc central de ce graphique. Et puis, troisième donnée, disons, intéressante à retenir, c'est que, donc, il est vrai qu'il y a peu d'emplois en général, il est vrai qu'il y a eu des perditions d'emplois dans les secteurs intensifs, entre guillemets, en main-d'œuvre féminine, mais il est vrai aussi que parmi les opportunités qui ont apparu, les opportunités économiques, il y en a très peu qui sont allées aux femmes. Donc, il y a environ 6%
de ces emplois, de cette variation d'emplois que je vous montre ici, qui est allée aux femmes. Et donc, s'il est vrai que les emplois, ils ne sont pas créés automatiquement par la croissance économique, il est vrai aussi que la création d'emplois ne bénéficie pas automatiquement les femmes. Et donc, c'est sur ça qu'on va se concentrer, je pense, pour le restant de la présentation. En regardant typiquement le côté de l'offre. Donc, il y a trois éléments du côté de l'offre qui sont intéressants. Le premier, c'est l'éducation. Donc, là aussi, il y a environ trois messages que je voudrais faire passer. Le premier concerne donc le graphique de gauche et il nous dit que il y a une relation heureusement positive entre le niveau d'éducation des femmes et leur probabilité d'être actives sur le marché du travail. Et donc vous le voyez sur la partie droite du graphique de gauche, donc avec les barres jaunes, et on voit que pour les femmes qui ont un niveau d'éducation supérieur, donc c'est la partie plus à droite du graphique, les barres sont plus hautes. Donc en fait, les femmes sont plus actives, les femmes qui ont un niveau d'éducation supérieur sont plus actives. La deuxième donnée intéressante, c'est que pour ces mêmes femmes, le gap entre les hommes et les femmes est plus petit. Et là, on compare en fait les barres bleues, qui sont les hommes, et les barres jaunes, qui sont les femmes. Et on voit bien que pour l'éducation supérieure, la différence entre les hommes et les femmes, elle est plus petite. Et puis, la troisième information intéressante, c'est que ce gap, malheureusement, dans le temps, il s'est quand même élargi. Et ça, on le voit en comparant la barre jaune pour l'éducation supérieure et les petits points rouges qui nous montrent en fait... non, c'est pas ça. On voit entre la barre claire, rouge, et la barre jaune. Et donc là, on voit qu'un, c'est 2000 et l'autre, c'est 2018. Il y a eu une diminution importante, en fait, plus importante que pour le reste des niveaux d'éducation, une diminution de taux d'activité des femmes. Ce qui a fait que le gap entre les hommes et les femmes a augmenté aussi pour les femmes éduquées au niveau tertiaire. Ce qui est reflété aussi dans le graphique de droite, qui nous montre en fait la composition des nouvelles inactives dans le temps. Donc ce graphique montre d'un côté donc la composition des inactives en 2000, en 2018, et puis la variation. Et on voit bien l'encadré vert qui montre que la part des femmes avec une éducation supérieure dans les inactives a augmenté dans le temps. Donc ça reflète encore une fois le fait qu'il y a une relation positive, comme je disais au début, entre éducation et emploi et activité, mais qu'il y a eu quand même une détérioration selon ces données descriptives. Deuxième slide sur la demande, ça concerne le contexte. Et là, à retenir, il y a aussi deux ou trois messages. Bon, le premier, c'est qu'il y a clairement une évolution différente pour l'emploi, pour l'activité au milieu rural et urbain. Donc, au milieu rural, traditionnellement, les femmes étaient plus actives, bien que, avec les données plus récentes de 2023, typiquement, désormais, le taux d'activité, que ce soit au milieu rural ou urbain, converge vers le 19%. Donc, en fait, l'avantage du milieu rural, il s'est progressivement estompé. Ça de 1. De 2, ici, ce que je montre, c'est le comportement différent du taux d'activité par rapport à l'âge. Et c'est assez frappant de voir que c'est vraiment divergent entre milieu urbain et rural. Donc, au milieu rural, on voit que les femmes, en fait, les plus jeunes, elles travaillent moins ou elles sont moins actives. Et après, ce taux d'activité augmente avec l'âge pour après décliner avec un âge plus avancé. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on observe en milieu urbain. Et puis, troisièmement, ce qui est intéressant, et ça, c'est la partie droite de la diapositive, c'est que quand on compare les taux d'activité urbain et rural, on voit qu'au milieu urbain, en fait, si on considère que les femmes, disons, qui ne sont pas à l'école, le taux d'activité, en fait, il augmente. C'est-à-dire que, autrement dit, que la diminution du taux d'activité des femmes jeunes entre 15 et 24 au milieu urbain s'explique surtout par une augmentation de la scolarité au niveau tertiaire. Ce qui n'est pas vrai
au niveau rural. Et ça, on va le retrouver hein, dans les graphiques. C'est-à-dire que, en fait, au milieu urbain, femmes éduquées, il y a une augmentation, surtout pour les femmes pas mariées, du taux d'activité urbain que je pense est opportun de souligner. Et puis, dernier slide sur la question de l'offre, ça se penche un peu sur la question un petit peu du cycle de vie en termes de statut matrimonial, donc mariage et enfant. Et ici, il y a aussi deux messages clés. Le premier, je me concentre sur la partie gauche de la diapositive. À la partie tout à gauche, en fait, on compare... on compare les hommes et les femmes. Et sur la partie tout à gauche, on compare les mariés et les pas mariés. Enfin, oui, les mariés sans enfants et les pas mariés. Et on voit que pour les femmes, donc les barres jaunes, il y a une différence importante entre les mariés et les pas mariés. Donc, dès que les femmes, elles se marient, quelque part, il y a une diminution importante du taux d'activité que par ailleurs on ne voit pas du tout pour les hommes. Et cette prime négative, disons, cette pénalité plutôt, elle est plus importante, marginalement plus importante pour les femmes qui ont des enfants au bas âge, c'est-à-dire entre 0 et 5 ans. Encore une fois, ça, on ne le voit pas du tout pour les hommes. Ça se réfère un peu à ce qu'on a dit par rapport au travail domestique et à la charge des enfants. Après, sur la droite, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu la même chose, mais par rapport, donc pas par rapport aux hommes, mais par rapport au niveau d'éducation, encore une fois. Et c'est là qu'on retrouve le fait que parmi les femmes qui ne sont pas mariées et qui ont une éducation supérieure et qui sont surtout jeunes, donc, il y a une augmentation en fait, du taux d'activité. Ce qui, en fait, ne se reproduit en aucun cas pour les femmes mariées, ni sans enfants, ni avec enfants, avec une diminution du taux d'activité. Donc en 2018, c'est la barre rouge comparée au petit point bleu qui est de l'année 2000. Donc cette pénalité, donc cette diminution, elle se présente pour toutes les femmes en fait avec enfants. Même celle avec éducation supérieure. Donc, en fait, dans ce cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'en fait, le fait d'avoir une éducation supérieure ne semble pas changer la donne. Une fois que les femmes, elles se marient, elles ont des enfants. Donc ça, c'était des statistiques descriptives, certes très parlantes, mais ce qu'on a fait donc, dans ce travail, c'est d'essayer d'aller au-delà des statistiques descriptives. Donc on a estimé un modèle binaire. On a construit sur un papier de Gladys Lopez de 2021, qui a fait la même chose, mais avec les données de l'HCP de l'enquête emploi. Nous, on a repris la même chose, mais on a utilisé le recensement. Parce que ça avait l'avantage d'avoir des données au niveau provincial qui nous ont servi pour une autre extension du modèle qui est celle d'inclure un élément de la demande. Et donc on a voulu aussi estimer pas seulement des éléments, des conditions, des caractéristiques individuelles et communautaire, mais aussi le rôle des conditions locales, disons, au niveau des opportunités du travail. Et pour faire ça, on a eu besoin de données provinciales. Et donc, on a utilisé le recensement. On a estimé 4 modèles pour le recensement 2004, 2014, et puis urbain et rural pour 2014, en utilisant la méthodologie de Chattery 2015. Et donc, très rapidement sur les résultats, donc ici, je vous montre des résultats, disons, qui sont ressortis très fortement. Quant aux caractéristiques individuelles, les deux résultats très, très forts concernent... Le premier, c'est le mariage. Et donc, c'est un peu la validation de ce qu'on disait quand on a regardé le graphique de l'offre concernant les femmes mariées avec enfants. Donc, les femmes, en fait, qui sont mariées avec des enfants de moins de 6 ans, ils ont 35% de chances à moins d'être actives sur le marché du travail. Et donc, mais il faut aussi remarquer que la pénalité la plus importante, disons, la contrainte semble arriver même avant des enfants. Enfin, c'est la question du mariage, en fait. Et ça, je pense que ça situe la problématique sur les questions plus larges
enfin, du child care, ça c'est sûr, mais aussi, je pense, dans un contexte plus de responsabilité au sein de la famille, plus en général. Le deuxième résultat concerne l'éducation. Donc, on valide le fait que le plus la femme est éduquée, le plus elle a des chances d'être active. Et puis, il y a deux résultats qui sont significatifs, mais avec un impact plus limité, mais quand même significatif. La première, c'est que quand il y a le mari qui travaille, la femme est la plus de chance, elle a moins de chances de travailler, ce qui peut être expliqué par le niveau général de vie de la famille, mais aussi par les normes sociales sur lesquelles je reviendrai. Et puis, deuxièmement, la présence des personnes de plus de 65 ans aussi a un impact négatif sur la participation des femmes, ce qui se refait encore une fois aux responsabilités, disons, plus larges au sein du ménage. J'accélère. Pour terminer, sur la question des conditions, disons, du marché du travail au niveau local, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une variable, enfin, on a décomposé la structure de l'emploi au niveau local, donc au niveau de la province. Et ce qu'on trouve, c'est que quand il y a du travail de bonne qualité, formel, typiquement pour les femmes éduquées, eh bien, il y a une participation plus élevée des femmes au marché du travail. Ce qui est interprété par nous et par Chattari 2015 qui a en premier utilisé cette méthodologie, c'est qu'en fait, donc, visiblement, quand il y a des opportunités, il y a quand même une volonté des femmes d'aller vers l'emploi, surtout pour les femmes éduquées. Donc ça, c'est mon slide conclusif qui relie un peu tout ça au policy. Donc c'est un slide un peu succinct sur lequel on peut peut-être élaborer après dans le Q&A. Mais en gros, notre analyse, elle met en exergue trois dimensions importantes de contraintes. C'est l'éducation. Qui n'est pas une contrainte en soi, mais on a vu que ça a un rôle très important à jouer dans le taux d'activité des femmes. Mais on sait aussi que ça devient une contrainte pour les femmes qui n'ont, en dépit des progrès, pas accès à l'éducation. Et là, on pense par exemple aux femmes rurales, où on sait que là, par contre, il reste des gaps à remplir, ce qui se relie aussi peut-être à toute la question du mariage des filles. Le deuxième élément, c'est celui de la demande, donc de l'opportunité, déjà de la présence d'opportunités d'emploi pour les femmes, ce qui se relie également aux conditions qui sont offertes aux femmes sur le lieu de travail. Donc en fait, c'est le travail, oui, mais à quelles conditions, ce qui se relie encore une fois aux normes sociales. Et on sait que donc les femmes, par exemple, au milieu urbain, elles sont beaucoup plus présentes dans le travail formel qu'informel. Donc on a vu la donnée sur presque la moitié des femmes qui sont dans l'informel, mais je pense que nos résultats nous montrent que la presque totalité de ces femmes, c'est des femmes rurales, justement, qui travaillent dans des travaux non rémunérés dans la famille, etc. Et puis, ça se relie à la question du transport, par exemple. Et puis, il y a la question du child care. Donc ici, on a organisé un petit peu ces trois éléments, donc éducation, demande, conditions sur le lieu de travail et child care, ou plus en général, l'économie du care, en le mappant avec le cycle de vie de la femme, quelque part. Donc, on a la phase de préparation avec l'éducation. On a la phase de rentrer dans le marché du travail et rester dans le marché du travail, parce qu'on a vu que les femmes jeunes, éduquées, elles y rentrent, ou elles essayent de rentrer presque autant que les garçons, mais après, elles y restent, en fait, elles ne sont pas retenues. Et après, il y a la phase un petit peu mariage et enfants qu'on pourrait aussi mettre ensemble dans un seul groupe. Et donc ça c'est les politiques pertinentes, donc accès à l'éducation, politique pour la création d'emplois et d'opportunités de qualité, de travail décent, l'évaluation des politiques actives d'emploi pour mieux cibler les femmes, donc peut-être pas seulement les jeunes femmes avec éducation, mais peut-être aussi des femmes qui sont un petit peu plus âgées, qui ont un niveau d'éducation plus bas, qui sont après tout la grande majorité des femmes inactives, et aussi la provision donc de conditions sur le lieu de travail qui soient capables d'attirer et de garder les talents féminins, le transport et l'inclusion financière et digitale pour les femmes typiquement rurales qui n'ont pas trop de la possibilité d'être mobiles et d'aller vers les opportunités, donc pour augmenter la productivité par exemple de l'entrepreneuriat ou de leur activité familiale, et puis le childcare. Je termine
avec juste un mot sur ce qu'on appelle les cross-cutting. Donc, c'est les institutions formelles et informelles. Donc, par là, on entend les lois. On a parlé un petit peu des progrès par rapport à la loi, mais il y a encore des actions, je pense, qui ont été évoquées même par Monsieur le ministre quant au Code du travail, mais pas qu'uniquement. Et puis, tout ce qui concerne les normes sociales sur lesquelles la Banque mondiale vient de produire une étude quantitative qu'on espère en fait disséminer et discuter très bientôt, qui confirme largement plusieurs de ces résultats en termes de ces normes qui se retrouvent être encore assez restrictives pour certaines catégories de femmes. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage très très riche sur la participation de la femme sur le marché du travail. Je ne vais pas faire comme mon collègue ce matin, je ne vais pas commencer par mes questions, même si j'en ai beaucoup. Mais je vais laisser l'espace à l'audience, donc comme ce matin, peut-être un micro de chaque côté. Et puis, donc, ici je vois deux mains levées. Trois mains levées. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation concise et de très lourd poids noétique. Je suis Fatem Zahra Nami, étudiante en deuxième année d'économie appliquée à la FGCS. Et ma question est adressée à M. Tayyip. À quel point on peut juger qu'elle est fondée ou naïve d'inclure la dimension religieuse et culturelle dans l'explication des tendances de l'emploi des femmes? Surtout, on le connaît toutes et tous au Maroc et à plusieurs pays arabes, la perception de l'emploi de la femme est une sorte de patchwork de considérations sociales, religieuses, morales et idéologiques. Et donc, à un certain point, ce n'est plus un choix ou un vouloir ou bien une conséquence économique, mais plutôt une réalité esquissée par des normes sociaux dans lesquels se cantonne la possibilité de travailler. Merci. Merci. Donc on va prendre plusieurs questions. Il y avait une autre main levée devant. Devant ici. Il y avait... Bonjour. Je tiens à remercier Madame Marzo pour la pertinence et la richesse de sa présentation. Donc ma question est la suivante. Quelles sont les recommandations de la Banque mondiale en termes d'éducation en vue de favoriser justement l'autonomisation économique des femmes au Maroc? Merci. Merci. De ce côté? Non? Oui, il y avait une question. Donc, c'est Ella Desbassement, étudiante chercheuse en éducation des adultes et apprentissage tout au long de la vie. Beaucoup de questions, je vais vous demander une question, une intervention, et je vais commencer par Monsieur le Président. Moi j'ai une question oui. Assez simple, c'est qu'est-ce qui se passe dans le temps? Vous avez donné quelques indicateurs, mais qu'est-ce qui se passe dans le temps? Parce qu'on aurait pensé en dynamique que l'urbanisation augmentant, le niveau d'éducation augmentant, taux de fertilité, l'activité, oui, de fertilité. Est-ce que vous repérez des changements dans le temps? Merci. Il y avait le troisième doigt levé qu'il y avait tout à l'heure. Merci. Puisque vous demandez est-ce que ça soit une question, j'en avais deux, mais une comme une ou deux, je vais m'arrêter à une. Non, je n'ai pas encore posé la question. Non, lorsqu'on se place au niveau du nouveau modèle de développement, et vous l'avez évoqué, lorsqu'on veut faire passer le taux d'activité de 19% à 45%, est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui va se passer réellement? Est-ce que c'est une augmentation? Puisque si on augmente le taux d'activité, on va avoir soit un taux de chômage plus élevé, soit un taux de salaire qui baisse. Est-ce qu'on peut imaginer, puisqu'il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça augmente, il y a toute la dynamique qui va se passer. Est-ce que vous pouvez imaginer avec moi, quel que soit le comportement qu'on peut imaginer, ou bien c'était le chômage des hommes qui augmente? Qu'est-ce que vous imaginez dans ça? Merci.
Bonjour, je suis Sarah Yassine, professeure à l'université Hassan II. Je suis là. Alors, je vous remercie, madame et monsieur, pour votre présentation. En fait, ma question, elle est brève. Maintenant, on est dans une représentation des résultats sous une approche positive. Et certes, c'est des chiffres. Mais ma question pour vous, quelles sont les limites de cette recherche et de ces recherches que vous avez présentées? Parce que quand je vois surtout la deuxième présentation et j'écoute les données, je sens qu'il y a vraiment un résultat péjoratif par rapport à la situation de la femme au Maroc. Et je pense que ce n'est pas la réalité. Donc ma question, quelles sont les limites de cette recherche et quelles sont vos orientations par la suite, c'est-à-dire pour mener des études approfondies pour la situation de la femme et comment on pourrait sortir avec des recommandations et des résultats pour les politiques publiques puisque l'on est dans une enceinte qui est Policy Center of the New South. Et merci. Merci. Alors je prendrai une dernière question et après on va aller à la réponse parce que j'ai aussi le... On va vous donner 2 minutes chacun pour répondre à ces nombreuses questions qui sont... Merci, Madame Dorothée. Je réponds par rapport à un ensemble de questions qui a trait aux normes sociales. Dans ma présentation, j'ai parlé de la division traditionnelle des rôles au sein du ménage. Et je me suis arrêté là pour la question, cette division traditionnelle des rôles au sein du ménage fait que traditionnellement la femme, c'est elle qui exerce la majorité du travail domestique et c'est ce fait entrave sa participation sur le marché du travail via plusieurs canaux, le canal de la prise en charge des enfants, l'investissement dans le capital humain de la famille, la prise en charge des plus de 60 ans et l'accès aux services de base, électricité, eau, et encore certaines considérations et certaines dépenses au moment de la prise de décision de participer au marché du travail, qui font que l'arbitrage entre bénéfices attirés de cette participation et coûts fait que l'équation n'atteint pas son salaire de réservation, qui est le salaire à partir duquel la femme commence à prendre, ou là, qui est le salaire à partir duquel la femme décide à entrer sur le marché du travail, participe en fait au marché du travail. Peut-être sur la question de la cause ou des facteurs qui expliquent du point de vue de demande, je suis tout à fait d'accord, monsieur Blaziz. Il y a une partie de la réalité qui a trait à la demande, parce qu'on ne peut pas encourager à participer sur le marché du travail, on ne peut pas
embaucher si on ne crée pas de l'emploi. On a fait une décomposition comptable de la montée de la dernière montée du taux de chômage au Maroc entre, je pense, quatrième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2023, et on a constaté que effectivement la destruction des emplois, le manque d'opportunités économiques, elle est vue dans l'autre revers de la médaille, à travers non pas le chômage, mais le découragement, l'inactivité, notamment en rural. Merci. Voilà. Alors, très très rapidement. Alors, sur la question de l'éducation. Donc, je pense qu'il y a deux volets par rapport à nos analyses qui émergent en termes de politique. Le premier, comme je l'ai mentionné, c'est la question du rural, parce que là, on continue de voir que quand même les filles et les garçons, il y a un problème de déperdition scolaire. Je pense qu'il y a une question de comment renforcer la participation scolaire et avoir les filles, typiquement pour l'éducation supérieure, qui reste à l'école, ce qui a des effets aussi positifs par ailleurs sur le mariage des enfants, le mariage précoce plutôt. Le deuxième volet, c'est celui du renforcement du système d'éducation supérieure et professionnelle. Dans nos données qui font partie encore une fois de l'étude faite avec le Policy Center sur l'emploi des jeunes, qui a quand même un focus assez poussé sur les femmes, ce qu'on montre, c'est que les jeunes qui ont une éducation supérieure et en particulier une éducation professionnelle ont beaucoup plus de chances d'être donc dans le marché du travail, mais qu'il y a aussi un grand problème de mismatch et donc de typiquement en termes de surqualification ou sous-qualification, et ça c'est vrai pour les garçons et pour les filles. Donc je pense que c'est là que ça se situe, qui doivent se situer l'effort. Comme monsieur le ministre le mentionnait, il y a beaucoup qui a été fait, hein, beaucoup d'améliorations, mais je pense que le gouvernement a tout un plan pour continuer sur cette voie, de quelque part de rapprocher aussi le système éducatif des besoins du marché du travail. Mais je pense que dans le diagramme que j'ai présenté à la fin, avec le cycle de vie, quelque part, non, la préparation, entrée et puis mariage, enfant, je pense qu'objectivement, le volet éducation, selon l'aspect genre, donc pas l'éducation en général, mais l'aspect genré de la question, est peut-être le moins important quelque part, parce qu'il y a des contraintes qui sont beaucoup plus fortes, typiquement comme vous l'avez vu, dans le nombre, non, d'actions qu'il y avait dans le bloc entrée et rétention des talents féminins. Deuxième point, alors. Les intersections, donc la question méthodologique, on a quelques intersections entre mariage et enfants. On peut en rajouter, peut-être qu'on peut discuter. Il y a toujours façon d'améliorer les modèles. Certainement, il y a des différenciations locales qu'on a pris en compte avec nos amis au niveau provincial. Et c'est vrai que même notre étude sur les normes sociales montre que voilà, c'est très différent. Enfin, la localisation est une dimension déterminante à prendre en compte. Alors, pour la question sur le temps, je ne sais pas si j'ai complètement compris. Donc, on a dans les statistiques descriptives, effectivement, on compare 2000 et 2018. Donc, on regarde un peu l'évolution des indicateurs d'emploi, du niveau d'éducation, etc. Le modèle analytique, il comprend une estimation séparée des deux années de recensement, donc 2004 et 2014. Du coup, on confirme l'importance de certains résultats et leur degré de signification. Mais c'est difficile de nécessairement de comparer en termes évolutifs des différents résultats. Donc effectivement, l'évolution de ces mêmes variables et de cet impact dans le temps, ce n'était pas nécessairement le but de l'exercice.
le taux d'activité, s'il augmente, qu'est-ce qu'il se passe avec le chômage ? Donc la question. Donc effectivement, je pense que là, ce serait assez. Je me souviens, on a eu une discussion avec le cabinet de Madame la ministre de l'économie et des finances. Elle nous a dit, on veut surtout pas que l'augmentation du taux d'activité des femmes résulte en augmentation du taux de chômage, bien sûr. Mais je pense que là, la réponse, elle se situe, et c'est pour ça qu'on a insisté aussi sur le côté de la demande, c'est qu'en général, il n'y a pas suffisamment d'emplois au Maroc, et ça c'est vrai pour les garçons et pour les filles, pour les hommes et pour les femmes. Après, les femmes, dans un discours d'inclusion, elles se retrouvent particulièrement pénalisées. Donc il faut nécessairement... Je pense que le point de départ, qu'il faut des politiques pour augmenter la productivité des entreprises et la croissance des entreprises pour avoir plus d'emplois, reste fondamental comme point de départ pour éviter ce résultat paradoxal, pour ainsi dire. Alors, quelles actions pour les politiques ? Alors, nous, ce qu'on a fait avec tout ce matériel, c'est, et de l'évidence internationale, dans d'autres pays qui se retrouvent dans ce cas de figure, le Maroc, il n'est pas seul à se battre contre le fait que les femmes ne soient pas incluses autant que les hommes sur le marché de l'emploi. Disons que pour couper très court, il faut des politiques multisectorielles. Ça, je pense, c'est fondamental, prioriser et multisectoriel. Donc, ça veut dire vraiment identifier les contraintes principales, les points d'entrée principales, se concentrer sur très peu de mesures, mais le faire avec beaucoup de moyens et en même temps. Parce que si on crée des crèches, on donne des crèches aux femmes, mais qu'il n'y a pas des opportunités économiques, les femmes, elles ne vont pas mettre leurs enfants dans les crèches, parce qu'elles ne vont pas y voir nécessairement un intérêt, hormis le fait que ça fait du bien au développement cognitif des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut des conditions pour répondre aussi un petit peu à la question du salaire de réservation. La femme, si elle doit prendre un transport qui est coûteux, avec un risque d'harcèlement sexuel, aller dans un emploi où elle est la seule femme avec 10 hommes, où elle travaille jusqu'à 18 heures, elle rentre à la maison, elle doit tout faire. Enfin, il y a des conditions qui doivent être remplies en même temps. Donc l'action multisectorielle, coordonnée et priorisée, juste pour résumer une discussion qui mériterait une session d'une heure et demie à elle toute seule, et peut-être de plusieurs jours même. Je termine. Oui, voilà. C'est fini. Ben, il y en avait une autre. Ben, allez-y. Mais je pense que M. Taïeb a déjà répondu sur la question du chômage. En réalité, je ne l'ai pas montré, je me suis concentrée sur le taux d'activité, mais ce qu'on voit, c'est que quand même les femmes jeunes avec un certain niveau d'éducation, elles travaillent certes moins que les hommes, mais elles travaillent plus que les femmes avec des niveaux d'éducation plus bas, donc par rapport au chômage, taux d'emploi. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, on arrive au terme de cette séance. Donc, ce qui était annoncé s'est révélé. Donc, on a parlé de paradoxes au niveau de la fertilité, de l'emploi, de l'éducation. Donc, à ce niveau-là, on a parlé de défis, tant du côté de l'offre, de la demande. Beaucoup de questions qui restent en suspens, des éclairages avec ce que vous nous avez apporté. Évidemment, il y a quand même des choses intéressantes au niveau de qui sont discutées en termes de politique, qui sont pensées, mais comme vous le dites, il faut le regarder globalement, pas uniquement créer des crèches. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès au marché du travail, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir les femmes sur le marché du travail aussi, puisqu'on a vu qu'à un moment donné, elles en sortaient. Je crois que l'éducation est clairement consensuelle. Donc, voilà, une reconnaissance aussi peut-être du travail domestique, une valorisation de ce travail aussi qui pourrait être considéré. Voilà, donc beaucoup de discussions très, très enrichissantes. Je vous remercie pour vos présentations. Je remercie l'audience pour les questions. Et je vous invite à poursuivre les discussions. Chers panélistes, nous vous invitons à vous placer au devant de l'estrade pour une photo de groupe.